Hortense Diftin, bouffée d'opium, elle toute seule. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Salut Hortense. Bouffée d'opium. Ouais. Alors c'est la drogue, l'amour, tout ça, ça vous parle? Ben oui, ça me parle. Parce que, enfin, ça me parle, je voudrais être sûre. Moi, l'amour, une drogue douce, je sais pas, hein. Une drogue douce comme le hakik, hein, parce que quand on voit la tête des gens qui fument des pétards, moi je me dis heureusement que je ne suis pas amoureuse. Hein. Je ne suis pas comme ça quand je suis amoureuse. Hein. Ou alors, il ne faut pas s'étonner si on est tout seul. Hein. Là, si je deviens neurasthénique à somnoler sur mon canapé et à plus me souvenir de rien, à rire bêtement, ça n'arrive jamais. Un peu comme on fait avec vous. À manger des gâteaux ou des boîtes de raviolis froides, je serais plutôt en mode je vais le quitter que le mode big love. Hein. Ou alors en mode je n'ai pas tardé à me faire lourder. Et je l'aurais bien cherché. Non, moi, pour moi, l'amour, la passion, le vrai, hein, celui qui marche, pas genre je l'aime. Mais il m'aime pas, oui, c'est même pas que je l'aime. Non, non, quand on s'aime vraiment, hein, moi, c'est plutôt le contraire d'une drogue douce. Hein, ce serait plutôt une drogue dure. Hein, t'as la pêche, t'es parano, tu dors plus, t'as une boule au ventre, t'es angoissé, tu manges plus, t'es maladroite. Ça, c'est quand on sniffe de la cocaïne, je crois. Je ne sais pas. Hein, t'es maladroite. Dès que le téléphone sonne, t'es tellement flippé qu'une fois sur deux, tu le fais tomber, tu racontes n'importe quoi. C'est vrai. Non, ça va. T'es obligé de te forcer à respirer calmement avant d'ouvrir la porte quand tu sais qu'il est juste derrière. Oui, c'est vrai. C'est la panique. Hein. Ouais, c'est pas une drogue douce. Hein. À l'amour le vrai, hein, pas le plan-plan, si le plan-plan j'aime pas. Alors, dites-elle en regardant Jean-Paul. Non, voilà. Alors, le seul point commun, Jean-Paul, c'est pas vrai. Quelle horreur. Le seul point commun que je verrais, moi, Hortense, ça n'engage toujours que moi, hein, entre la drogue douce, l'alcool et l'amour, c'est que ça rend complètement débile. Hein. Quand on dit que l'amour rend bête et aveugle, on pourrait dire pareil du hakik. Hein. Vous voyez, à ce niveau-là, je suis d'accord, faudrait pas en abuser. L'amour, ça devrait être comme l'alcool, à consommer avec modération. Ouais. Voilà. Alors donc, une question me taraude, les experts. Hein, parce que si je comprends bien, drogue douce ou dure, c'est interdit. Hein, le hakik, illégal. L'opium, à part moi, c'est illégal. Hein, enfin non, c'est moi non. Ah non, les cigarettes, elles devraient être remboursées par la sécurité sociale. Les cigarettes et la nicotine qui va avec, c'est pas bon. L'alcool, c'est pas bon. Alors, parce que ça serait pas bon pour la santé non plus. Ouais. Alors, est-ce que l'amour, si l'amour est une drogue même douce, est-ce que c'est bon pour la santé? Hein? Est-ce qu'il est autorisé? Est-ce qu'il faut? Hein? On ne sait pas. Bah, on ne sait pas. On s'interroge aujourd'hui. Parce que c'est vrai que l'amour peut tuer. Hein? On peut mourir d'amour aussi. Oui, on peut mourir. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Alors moi, j'étais une fumeuse, hein, une alcoolique aussi. Non, ça c'est pas vrai. Elle balance tout, mais je impossible. Vois le mal que j'ai c'est pour, une blague. Pour m'arrêter de fumer. Et je me dis que si j'avais jamais commencé, ça aurait été aussi bien. Hein. Ouais. Quand on ne connaît pas, ça ne peut pas manquer. Ouais. Pareil pour l'amour. Alors donc, étant une maman responsable, hein, vous en doutez, monsieur. Vous parce voyez, qu'elle a deux fils, de deux enfants dont elle parle. Deux enfants, une maman magnifique, grand, Pauline, très bien constituée. Je pense qu'il est de mon devoir de protéger ma fille de toutes sortes de drogues. Hein, donc j'interdirai ma fille de fumer et d'être amoureuse. Non. Alors, il n'y a qu'un seul amour que Pauline a le droit de connaître non. Et elle peut en abuser, ça, c'est l'amour d'une fille. Pardon ? Je disais à notre ami qu'il ne fallait pas s'inquiéter que votre fille ferait ce qu'elle voudrait, quoi qu'il en soit. Oui, bah non, vous ne connaissez pas ma fille et vous ne me connaissez pas. Voilà. Alors, le seul amour de ma fille, hein, c'est l'amour d'une fille pour sa mère. Celui-là n'est pas dangereux, au contraire, surtout si sa mère, c'est moi. On vous connaît bien merci, là. Hein. Merci, Hortense. Pauline, si tu nous écoutes, appelle le 3921, on viendra te délivrer. Tiens bon, Pauline, tiens bon, les experts sont avec toi. 34 centimes d'euros la minute, Pauline, c'est pas cher.